20 à 21. Proverbe 18, 20 to 21. Proverbe 18, versets 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Proverbs chapter 18, 20 to 21. From the fruit of their mouth, a person's stomach is filled. With the harvest of their lips, they are satisfied. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Amen. Amen. Jacques chapitre 3, versets 8 et 9. James chapter 3, verse 8 and 9. Jacques chapitre 3, versets 8 et 9. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Amen. Amen. In English is James chapter 3, 9 and 10. With the tongue, we praise our Lord and Father, and with it, we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Amen. Amen. La parole de Dieu dit the word of God says que tu peux bénir that you can bless et tu peux maudire. And you can curse. La même langue the same tongue peut bénir, can bless. Tu bénis Dieu, you bless God, tu maudis les hommes. And you curse men. Pour les enfants de Dieu, for children of God, la parole déclare que ce n'est pas bien the word declares that it's not good. D'avoir une langue qui peut bénir et qui peut maudire. To have a tongue which can bless and curse. Notre langue our tongue doit bénir. Must bless. Nous ne sommes pas Balaam. We are not Balaam. Balaam, sa langue pouvait maudire, sa langue pouvait bénir. Balaam's tongue could curse and bless. C'était un devin. He was a witch. Tu pouvais aller chez Balaam. You could go to Balaam. Tu dis, je veux que telle personne meure. You say, I want this person to die. Il fait la divination et la personne meurt. He will call the spell and the person dies. Tu peux lui dire, je veux que telle personne soit bénie. You can say, I want this person to be blessed. Il fait la divination et la personne est bénie. He will call the spell and the person is blessed. Alors, il peut demander que tu sois marié et tu te maries. You can ask that you get married and you are married. La langue d'un enfant de Dieu. The tongue of a child of God. Doit bénir, bénir, bénir. Must bless, bless, bless. Tu ne dois pas te maudire toi-même. You must not curse yourself. Personne n'a le droit de se maudire. No one has the right to curse himself. Ne dis jamais, moi je sais que je serai dernier. Never say, I know I will be the last one. Ça va s'accomplir. It will happen. Tu vas souffrir. You will suffer. Ne dis pas, je sais que les gens ne m'aiment pas. Don't say, I know people don't love ça me. Va s'accomplir. It will happen. Et tu vas souffrir. And you will suffer. Dis que tu es ami de tous les hommes. Say, I am friend of everybody. Dis que les hommes sont merveilleux. Say that men are good, are marvelous. Et ce soir, and tonight, nous allons bénir. We are going to bless and bless. Tu te tiens devant Dieu. You stand before God. Tu bénis ton assemblée. You bless your house church. Tu bénis ton assemblée locale. You bless your local house church. Tu oublies les choses que les gens font dedans. You forget about things that people la do bénédiction inside. Est prophétique. Blessing is a prophecy. La personne qui bénit prend le rang du prophète. The person who bless take the place of a prophet. Dieu a institué la bénédiction. God has setting up the blessing. On ne peut pas combattre sans payer cette dette de bénédiction là. We cannot fight without paying our debt for blessing. Il a enseigné à Moïse comment les sacrificateurs devaient bénir Israël. He taught Moses how the priests should bless Israel.
Tu vas bénir ton mari. You will bless your husband. Tu vas bénir ta femme. You will bless your wife. Tu vas bénir tes enfants. You will bless your children. Tu vas bénir tes voisins. You will bless your neighbors. Tu bénis ta belle famille. You bless your family in law. Tu bénis tes collègues. You bless your colleagues. Tu bénis tes responsables. You bless your managers. Et Dieu va les bénir. And God is going to bless him. Si tu travailles quelque part, tu bénis. Parce que ça tombe en faillite, on va te licencier. On va te dire d'aller à la maison, congé technique. If you are working somewhere, you bless the company because if the company is down, you'll go back home. Tu bénis la nation dans laquelle tu vis. The nation in which you are living. Si il y a la guerre là-bas, tu ne peux pas arriver ici. If there is war over there, you cannot arrive here. Tu bénis. You bless and bless. Tu bénis ton niveau d'études. You bless your school level. Tu n'as pas besoin de doctorat pour devenir grand et riche. You don't need PhD to be great and rich. Si tu as le CAP, je bénis mon CAP. If it's a CAP, you say I bless my CAP. Que soit pour moi ce que sont les doctorats pour les autres. Let it be for me what is PhD for others. Tu bénis. You bless and bless. Tu bénis ta taille. You bless your head. Tu dis que toutes les vertus associé à ceux qui ont la taille que j'ai là, qu'elle soit déversée sur moi. You say, oh, let all the virtues who are linked to people who have the head that I have. Tu cesses de convoiter la taille des autres. Do not envy the height of others. Si tu es géant. If you are tall. Ne te plains pas que je suis comment, pourquoi don't moi je dépasse tous les hommes. Why am tu I dis apple? Que toutes les faveurs et les grâces. You say, God, que ma taille all the graces renferme se déverse sur moi. Related to my head, poured on tu me. Tu verras ce qui va arriver. You will see what is going to happen. Tu te bénis. You bless yourself. Tu bénis tes amis. You bless your friends. Tu bénis ton faisant de disciples. You bless your disciple. Tu bénis tes disciples. You bless your disciples. Relis dans Proverbe 18:20-21. Il y a la vie, il y a la vie sur ta langue, il y a la vie sur ta langue. There is life on the tongue. C'est Dieu qui a disposé les choses de cette manière-là. It's God who arranged things this way. Lis. C'est du fruit de ta bouche. C'est du fruit de ta bouche. It's from the fruit of your mouth. Que l'homme rassasie son corps. C'est le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. It's from his mouth that man satisfies his body. C'est du produit de ses lèvres. C'est le produit de tes lèvres, tes paroles. It's the produce of your produces of your tongue. Qu'il se rassasie. Tu es rassasié. You are fed. De quoi? Ce que ta bouche produit. Ça from dépasse les mangues, ça dépasse le cacao. Produce is more ça than mangoes café. And cocoa. Ça dépasse les graines. It's more than ce que ta bouche produit. What your mouth produces. C'est une richesse. It's a riches. Ça te guérit. It heals you. Ça te rassasie. It feeds you. Continue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux chasser la mort de ta langue. Tu mords. Quand on a déjà dit même, je ne mourrai pas, je vivrai. You can cast out death with your tongue. Tu peux dire Satan, tu mens, ça n'arrivera pas. You can say Satan. Et ça s'accomplit. You are lying. This is not going to happen. And it's like this. Il y a des gens qui sont là. J'ai rêvé que quelqu'un est mort. Tu rêves mal. Ça c'est un mauvais rêve. Tu dis ça ne s'accomplira pas. Point. There are people who are there and say, I've dreamt that someone is dead. You are having bad dreams. Just say this will never happen. Ne reste pas là, tu attends, comme tu dis, je suis prophète, tu dis à quelqu'un, tu vas mourir, et une semaine, il ne meurt pas, deux semaines, il ne meurt pas, trois semaines, il ne meurt pas, un mois, il ne meurt pas, un an, il ne meurt pas, et puis toi-même, tu fuis, tu retournes. Don't behave like people who says someone is going to die. You say you are a prophet, and 1 week is not dying, 2 weeks, 1 year, and yourself, you are obliged to flee. Ne sois pas un prophète de la mort. Do not be a prophet of dis, death. Dis, je proclame que tu vivras. Say, I proclaim that you are going je to proclame live. I proclaim que moi-même je vis. That myself et je vivrai. I'm living and j'accomplirai Jesus is les œuvres de l'Éternel. I will accomplish
accomplish les démons, les démons qui attendent le jour de ma mort se sont trompés. The demon who are waiting for the lève toi, tu commences à te bénir, commence par toi-même. Stand up and start blessing on yourself. Dit que la veillée charité quand tu commences toujours par soi-même. Say that the first duty is start by your own bénis person. Bénis-toi toi-même. Bless yourself. Dis je vis. Say I live. Dis je veux connaître Dieu. And I will know God. Prophétise sur ta vie. Prophesize on your life. Parle librement. Talk freely. On ne doit rien t'enseigner. You should be taught nothing. Si tu parles peu, tu vas récolter peu. If you speak a little, remplis, you will harvest a remplis little. Remplis une encyclopédie. Fill an encyclopedia. Un livre. Fill a book. Tu bénis ton âge. Bless your age. Je dis que les bénédictions, les grâces et les faveurs réservées à ceux qui portent, à ceux qui ont le même âge que moi, se déversent sur moi. You say, let all the blessings, the favors, the grace. Il ne faut pas que à 60 ans, on te traite comme un fou. You should not be treated like a man at 60 years. Il ne faut pas qu'à 75 ans, on te traite comme un idiot. You should not be treated as an idiot at 75 years. On doit t'honorer. On doit t'honorer. You should be honored. You should be on va t'honorer. People are going to honor on you. On va t'honorer. You should be honored. On va te servir. You should be served. Joyeusement. Joyfully. Continue. Keep on saying, prophesizing. Continue. Keep on prophesizing. Que les grâces et les faveurs réservées à ceux qui portent le même âge que moi. C'est des versets sur moi. Que je vive, que je vois le dessein de Dieu s'accomplir. Dans ma vie, dans la vie des enfants. Kotara Masagara. Rikabakasara Bakasara. Rikabakara. Madabakasara. 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 Je ne veux pas saluer ces choses-là. Je veux le toucher. Dis, je déclare que je ne veux pas saluer de loin les promesses de Dieu pour moi. Je vais les embrasser. I will embrace je vais les toucher. I will touch je vais les vivre. I will experience qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que what does it mean? Ce n'est pas après ta mort qu'on va dire que voilà ce que Dieu lui avait promis. Après ta mort. Tu dois voir ça. It tu means touches. That it's not after your death that they will say this is what God promises to you. Dis, je déclare que je ne toucherai pas de loin. I won't touch it from far. Les promesses et les faveurs de Dieu pour moi. The promises and God je les embrasserai. I will embrace je les toucherai. And to touch je les them. Contemplerai. And continue à prier. Keep on praying. Thank you.
Oh Père, oh, Father, nous bénissons la stérile. We bless the barren lady. Qu'elle conçoive et qu'elle enfante. Let her continue à prier. Keep on praying. Oh Père, nous roulons l'opprobre des chômeurs. We roll on the nous roulons l'opprobre des chômeurs. We roll on the shame qu'ils of the jobless. La joie de sortir le matin. Let them have a joy to go et revenir out le soir. The morning. And come back home fatigué in de the travail, night. Fatigué de travail. Tired of continue war. À prier, écoute, keep on praying. Urga bagajer baga. Urga bagajer baga. Dieu Père, que les bergers, let the shepherds, que des bergers, let some shepherds, au cœur intelligent et sage, intelligent and wise soit hearts, à la tête de nos troupeaux, be at the head of soit à la tête de nos troupeaux, at the head of des bergers flocks, intelligents et sages. Intelligent sois and la tête de nos assemblées. Put them continue at the head prier, of the churches. Keep on praying.
Dieu Père, que ton peuple soit béni. May your people be blessed. Béni. Avec la victoire. With a victory. La victoire. With a victory. Sur toutes les maladies. On all kind of diseases. Maladies. All kind of diseases. Toutes les maladies. All the diseases. Qui l'ont plongé dans l'angoisse. Toutes les maladies. Continue à prier. Tu peux t'asseoir, tu continues la prière. You can sit down and continue praying. Bénis ton village, bénis. Dieu va agir. Bless. God will act. Dès que toi tu finis de bénir, as soon as you finish blessing, Dieu commence à travailler. God start working. Continue à prier. Keep on praying. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Alléluia. Amen. Qui a un témoignage? Who has a testimony? On peut écouter deux, trois témoignages avant de continuer. We listen to two or three testimonies before going on. Oui, j'attends les témoignages. Je sais que les témoignages prophétiques sont rares, mais j'en ai besoin. I know that prophetic testimonies are scarce. But I need it. Donnez-lui le micro. Give him the microphone. Nous venons de faire une très grande chose. We have just done a great thing. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur me dit, tu seras étonné. Le Seigneur me dit, tu seras étonné. Gloire à Dieu. Moi, je suis la sœur Annie Gondi et pour faire le disciple, le pasteur Didi de Azagué. Vraiment, je souffrais d'un mal de gorge depuis 2019. Et l'ennemi avait déclaré que c'était un cancer de gorge. Mais ce mal revenait à chaque fois que j'étais enrhumée. Je suis venue sur le lundi 1er. Je me portais très bien. Je suis allée à la chambre de prière vendredi. Samedi matin, je me lève avec une douleur forte de gorge,
alors que je n'étais pas enrhumé. Et je me suis apprêté pour venir sur le site de prière. Au fur et à mesure que j'avance, la douleur s'intensifie. La douleur s'intensifie, je commence à prendre un froid. Et je n'en pouvais plus, je suis allé au groupe de prière. Ils ont prié pour moi. Ils m'ont demandé si ça va. J'ai dit, bon, ça va un peu. Ils ont dit, bon, va t'asseoir. Quand je suis parti, ça n'allait toujours pas. Je suis allé à l'infirmerie. Ils m'ont donné des médicaments. Ça n'allait toujours pas. La nuit même, là, c'était grave. J'ai eu des douleurs de ventre. Ils ont appelé un ancien. Il a prié pour moi. La douleur de ventre s'est calmée. J'ai commencé à même ronfler dans sa main. Et le lendemain, la douleur de gorge, ça n'allait toujours pas. Et c'était des plaies partout. Quand je fais... C'est, en fait, je ne sais pas si c'est, je peux dire que c'est, excusez-moi, de la morve, mais je ne sais pas. C'est vilain à voir. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est? Ma tante me dit, non, il faudrait que ça se manifeste pour que ça reste ici. Parce que longtemps tu souffres de ce mal, tu es arrivé, tu n'es pas enrhumé. Il faut que ce mal se manifeste pour que ça s'arrête ici. Pour qu'en quittant Antioche, quoi, tu n'aies plus ce mal. J'ai dit, ok. Je suis allé voir un ancien, il a prié. Je suis allé saluer ma tante. J'ai vu l'ancien qui a prié aussi pour moi la veille. Et je lui ai dit, il faut venir prier encore pour moi. Et vraiment, sur la parole de Dieu, sur la base de la parole de Dieu, il m'a oué d'huile, il a prié. Quand il a fini de prier, je suis allé. Et vraiment, par la grâce de Dieu, la douleur a commencé à partir. Quand je suis venu sur le site, la douleur, je ne pouvais pas parler du tout. Aujourd'hui, vous m'entendez, mais hier, vous ne pouvez pas m'entendre. Donc, je vais bénir le Seigneur qui m'a délivré de ce mal à jamais. Je vais lui rendre toute la gloire. Je vais bénir son nom au nom de Jésus. Amen. 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 Encore deux personnes. Again, two people. Il reste une personne. Gloire à Dieu. Je me nomme Dibi Kwasi Julien. Mon fils est disciple, c'est Papa Brito. Je dois dire merci à Dieu. Hier, il y a eu délivrance quand Papa il parlait. Des démons qui il fait venir ses amis pour imposséder. Je veux les témoignages de ce qu'on vient de faire. We want testimony about what we have just done. Va donner ton témoignage. Où sont-ils? Va là-bas. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on vient de prier là. Pas pour hier. What we have just done. Gloire à Dieu. Je suis assez à ça de Dieu pour faire des disciples fort aimés. Je veux dire merci au Seigneur qui vient de me guérir de façon miraculeuse tout à l'heure. Lorsque je me rendais ici, je n'avais rien, mais quand je suis venue m'asseoir, je commençais à me sentir très mal et je suis devenue lourde, je ne pouvais rien faire. On dirait que j'avais déposé des bagages sur moi. Lorsqu'on prestait, je ne pouvais pas danser. Et quand papa dit, on n'a qu'à proclamer les bénédictions, j'ai dit, je proclame la vie sur moi. La mort, tu n'as plus ta place. Et j'ai ressenti tout mon corps qui chauffait jusqu'à la tête, à la plante des pieds, j'ai retrouvé la guérison. J'ai pu me lever pour courir, pour venir. Je veux dire merci au Seigneur pour cette guérison. Acclamation, Jésus-Christ. Amen. For Jesus Christ. Ça, les fruits des lèvres, la mort est partie. From the fruit of a mouth, elle a proclamé la vie, la mort, l'esprit de mort. She proclaimed life and death is death left. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Adon Prisca, mon fidèle de disciple, c'est le frère Akessé. Frère, quand on priait tout à l'heure, j'avais les yeux fermés. Et c'est comme si des personnes qui étaient vêtues de blanc, ils sillonnaient dans les rangées, ils avaient certaines choses en main, ils distribuaient aux rangées. Ils disaient que telle rangée prenez. Des hommes très vêtus de blanc. Vraiment, je bénis le Seigneur qui nous bénit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Annick Roudé. Mon faiseur de disciples, c'est Maman Ruth Kouna. Je remercie Dieu qui m'a béni. Aujourd'hui, j'étais là et puis j'entendais, je bénis les autres.
C'est à ton tour. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Et c'est la voix que j'entendais. Je remercie Jésus-Christ qui vient de me bénir. Acclamation. Clap. Tenons-nous debout. Let us stand up. S'il y a le désordre dans ta vie, if there is disorder in your life, tu sais déjà ce que ta langue est capable de faire, ce dont ta langue est capable de faire. You already know what your tongue is able to do. Tu vas commander le calme. You will command calm. Et l'ordre. And order. S'il y a des êtres humains qui s'agitent contre toi, if there are people who are agitating themselves against you, tu vas les délivrer de la haine contre toi. You will toi. Deliver them from hatred against you. Tu appelles son nom. You call the name. Tu dis, te délivre de la haine du diable contre moi. And you say, I deliver you from the hatred of the devil against me. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu as un enfant têtu, if you are a stubborn child, tu le délivres. You deliver him. Tu dis, je te rends sage. Say, I make you wise. C'est la foi. Ça it's faith. That will happen. Ne cherchez pas les gros mots. Don't look for big words. Dis, mon fils ne sera pas rebelle. Say, my child will not be a rebel. Je l'enlève de la sorcellerie. I remove him from witchcraft. Je le sépare de faux camarades. I separate him from bad friends. Si ton mari marche avec les bandits, if your husband walk with bandits, il revient toujours sous. He always come tu back. Je le sépare. You say I separate him de ce groupe. From this group. Je le ramène à la maison. And I take him back to home. Je mets la soif de Jésus dans son cœur. And I make Jesus sit down in his heart. C'est une bataille, mais pas it's la langue. It's a battle. La langue est une puissance. It's a battle through the tongue. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, si tu dis à la montagne, Jesus said, if you tell the mountain, ôte-toi et jette-toi dans la mer, remove yourself ça and va s'accomplir. Go and throw yourself in the sea, that will happen. Ça va s'accomplir. It will happen. Si quelqu'un te barre la route, if someone is blocking your way, dis, je te saisis, say, I seize you, et je t'enlève de mon chemin, and I remove you from my ways. C'est tout. All. Et tu continues. And you keep on. La mort relie. Read it again. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Death and life can be created by tongue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Acclamons. Let us clap. Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je pose le calme. I impose calm. Dans ma vie et autour de moi. In my life and around me. Je pose le calme. I command calm. Dans ma vie. In my life. Et autour de moi. And around me. Continue à prier. Keep on praying. Dis au nom de Jésus, je ferai devant moi un chemin sans obstacle. Je ferai devant moi un chemin sans obstacle. Continue à prier. Keep on praying.
Dis au nom de Jésus de Nazareth. Que le désert devant moi. Que le désert devant moi. Fleuris. Continue. Life. Écoutez, listen, ce sujet veut dire this topic means que si tu entreprends, if you have si tu avais entrepris, if you started a business, et il n'y a jamais eu de fruits, jamais sur le désert, and never have fruits, no money, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le profit maintenant. It means that you must have benefits now. Tu as semé, pas de récolte, you des années. Sold, il faut que no dès maintenant, ce que tu sèmes during years, porte du fruit. If it takes that tu all travailles that you are harvesting bear fruit, you are walking. Comme quelqu'un qui ne travaille pas. Ce like someone pas bon. Who is not working. It's a desert. Autonome. You are appointed. Aucun avantage. No advantages. Quand les autres étaient là, il y avait tout. When people was at the same position, désert. They had a lot of benefits. It's a faut desert. Commander you must command que y ait des arbres dans le désert. That trees grows in the desert. Que l'eau sorte des montagnes. That water come from mountains. Des lieux arides, que tu sois heureuse. You must be happy. Le plan de Dieu pour l'homme. The plan of God for man. C'est que l'homme travaille. Is that a man et il récolte. And harvest. Quand ta sœur coule when you are sweeping, et tu ne manges pas le pain, and you are not eating the bread, ça c'est la bénédiction initiale même n'existe pas dans ta vie. This is the first blessing which does not exist in la bénédiction initiale c'est que tu mangeras le pain à la sueur de ton front. The first blessing is that you will eat from your front. Mais quand tu as la sueur but when you have a sweat, sans pain without food, ça c'est grave. It's very bad. Donc crie à Dieu. Cry out to God. Dis qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des arbres. Que les déserts fleurissent. Que je ne fasse plus rien pour rien. Let me do nothing more for nothing. Que les déserts fleurissent. Que les déserts fleurissent. Que les déserts fleurissent. Que les déserts fleurissent. Que les déserts. Oh, Rikamara Kassa. Oh, Rikarama Kassa. Oh, Rikarama Kassa. Oh, Rikarama Kassa. Lève ta main. Put up your hand.
baptise, nous rabaissons tout hauteur. Say we put down any heads. Nous rabaissons tout hauteur. We put down any heads. Qui veut nous empêcher de connaître Dieu? Which one to prevent us from knowing God? Continue à prier, continue. Keep on praying. Oh Père, bénis nos bénédictions. Bless our blessings. Bénis nos bénédictions. Bless our blessings. Continue à prier. Keep on praying. Écoutez. Listen. Écoutez. Listen. Ce sujet veut dire. This topic means que ta position te fasse profiter. That all your position should make you have some profit. Ton âge est une bénédiction. Your age is a blessing. Dieu doit bénir ton âge. God should bless your age. Ta fonction est une bénédiction. Your work, your position. Dieu doit bénir cette fonction. God must bless this position. Qu'à travers elle tu deviennes riche. It's through it you become rich. David est devenu riche parce qu'il était roi. David became rich because he was king. Les gens venaient lui donner des choses. People used to come and give him some gifts. D'autres construisaient des maisons pour lui. People built houses for him. Ça doit arriver. It must happen to you. Ça doit arriver. It must happen to you. Prions maintenant. Let us pray. Dis que, oh Dieu, bénis ma bénédiction. Say, oh God, bless my blessing. Bénis toutes choses qui m'est utile. Bless useful to me. Bénis tout ce qui est pour moi un avantage. Bless all that is for me an advantage. Bénis ce qui est pour moi un gain. Bless all that is for me a gain. Multiplie-le. Multiply it. Protège-le. Protect it. Continue à prier avec vie. Keep on praying with life. Thank you.
Dieu Père, au nom de Jésus, que tout rassemblement contre moi et contre mes bénédictions soit dispersé, soit dispersé, soit dispersé, soit dispersé. Continue à prier. Keep on praying. Amen. Amen. Maintenant, now, vous avez écouté le témoignage de la sœur. You have heard the testimony of a sister. Va prendre quelque chose qui appartient à tes parents. Go and take something which belongs to your parents. Elle a pris une tenue rouge. She took a blouse, elle a donné a red à la, blouse. À la, elle a donné à la femme. She gave à la grand-mère. She gave to her grandma. C'est hier ou avant-hier que ça a été. Non, elle dit que c'est le quatrième jour, c'est ça? She said it was the fourth day. L'ange a cassé le caveau. Broke the tomb. Et a récupéré. And she recovered. S'il y a une résistance, if there is a resistance, s'il y a quelque chose qui demande un coup de poing céleste, if there is something which requires a knockout, a heavenly knockout, s'il y a quelque chose qui demande que les verrous sautent, if something requires that the locks are, should be broken, les verrous de fer, les portes des reins, the iron locks and the iron doors. Il faut qu'on s'unisse dans le même esprit. Let us unite in the same spirit. Une telle résistance soit cassée, démolie. Let and all resistance should be broken. Elle n'est pas jeune dans la foi. She is not young in faith. Mais il y a un esprit dans ta vie qui demande un coup de poing venant du ciel. There is a spirit in your life which requires a strike which comes from heaven. Cassé. Broken. Tu seras libre. You will be free. Pour casser. We break libre. And you will be free. Tu vas ressentir même dans ton sommeil que tu as déjà la paix. You will feel it even in your dream that you already have peace. Vous avez écouté certains témoignages. I've listened to some testimonies. Certains mariés de nuit, leurs alliances serrent même le doigt, c'est comme si ça va se couper. Some spirit has put some rings on the fingers and they tighten it as it's about to cut. C'est le Seigneur qui doit venir tirer ça. It is the Lord who should come and remove it. Comme il a fait chez les autres. As it did for the others. Sinon, ça va rester. Otherwise, it will remain. Le diable n'a pas où aller.
The devil knows nowhere, have nowhere, has nowhere to go. Quand il pose le pied quelque part, il ne veut pas quitter. When he put his foot somewhere, he doesn't want to leave. Quand on les chasse là, ils vont, ils tournent et puis ils reviennent vérifier s'ils peuvent revenir. When we cast them out, they go turn around and come and check if they can come back. Dis, oh Dieu. Say, oh God. Nous sommes tes enfants. We are your children. Beaucoup parmi nous ont déjà été délivrés. Many in our midst have already been delivered. Il y en a qui ont encore d'autres ennemis devant. There are some who still have some enemies in front of them. Il y en a ceux dont les ennemis résistent. Some enemies are resisting. Nous venons au secours de chacun. We are coming at the rescue of each of them. Qu'ils soient frappés. Let them be stricken. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Dis adversaires. Say adversaries. Qui résistaient. Who are resisting. Nous vous frappons. We strike you. Nous vous frappons. We strike. Nous vous frappons. We strike you. Nous vous renversons. And we downsize you. Nous vous renversons. We downsize you. Nous délivrons vos captifs. We deliver our captives. Nous descendons dans votre camp en we combat. We go into your camp. De commun accord. And in a common agreement. Pour obtenir la délivrance totale. We take, we recover the deliverance. De chaque enfant de Dieu. Of each of us. Continue maintenant à frapper, à frapper. Keep on striking. Écoutez. Listen. Écoutez. Listen, please listen. Commençons par la mort et le séjour des morts. Let us start by death and the Hades. Pendant qu'on priait, while we are praying, je recevais que il ne faut pas aller en désordre. I received that we should not go in disorder. Faut dire que ce coup-ci est frappé sur tel esprit, ce coup est frappé sur tel esprit. You must say that this strike is stricken on this spirit. Ça and c'est contre la mort et le séjour des morts. Let us start by the head, by the death and Hades. La sœur qui vient de parler dit que elle chauffait. The sister who just spoke said she had fever. Elle avait froid. She had fever. La chaleur a commencé à venir. And Hades. Ça veut dire que c'était l'esprit de mort. It means that it was a spirit of death. Dis mort. Say death. Et ce jour de mort. And Hades. Nous vous frappons. We strike you. Nous anéantissons vos forces. We destroy your strength. Nous délivrons les captifs de we vos mains. We deliver the captives. Nous délivrons les captifs de vos mains. We deliver the captives. Nous délivrons tous les captifs de vos mains. We deliver all the captives from your hands. Continuez à frapper. Keep on striking. C'est terrible, papa. Frappons, nous frappons. Nous frappons, nous frappons, nous frappons, nous frappons. Dis au nom de Jésus. Et nous vous chassons. We cast you out. Partez vite. Go away, quickly. Nous brisons la résistance. We break resistance. Nous brisons la résistance. We break the resistance. Nous vous commandons d'aller. We command you to leave. Continue à prier. Keep on praying. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Marie de nuit. Spirit husbands. Et femme de nuit. And spirit wives. Nous vous frappons. We strike you. Nous vous frappons. We strike you. Nous libérons tout captif. We set any captive free. Et nous vous chassons au nom de Jésus. And we cast you out. Nous vous chassons au nom de Jésus. We cast you out. Continue. Keep on praying.
du nom de Jésus. Say the name of Jesus. Nous venons maintenant contre tous les esprits. We are now coming against all spirits. Qui sont venus par envoûtement. Which have come through bewitchment. Et dont les objets d'envoûtement sont dans le séjour des morts. And whose object of bewitchment are in the Hades. Vous avez écouté le témoignage de la sœur. You listen to the testimony of a sister. Il a fallu un coup de poing. Bam. They need a strike. Pour casser et retirer break and remove the cloth. Dis même si l'objet d'envoûtement est dans les abîmes, nous cassons. Even if nous prenons. The thing that have been used is in the abyss. Même si c'est dans le séjour des morts. Even if nous cassons et nous prenons. Break and recover it. Même si c'est dans les déserts, even nous cassons. The wilderness, we break and recover prier, it. Continue à prier. Pray, keep on praying. Maintenant, asseyons-nous. Now, sit down. Attends vite. Go away quickly. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. S'il y a eu un envoûtement. If I have had a bewitchment. À travers les habits. True clothes. Qui sont encore entre les mains. Which are still into the hands. Des esprits de mort. Of a spirit of death. Dans le séjour de mort. In the Hades. Nous te séparons de cet habit. We separate you from these clothes. Je déclare que tu es libre. And we declare you are free. Si on a envoyé un enfant, un petit enfant. If you have been sent a small child, on dit, va ramasser. They said, go and take it. Tu viens nous donner. And bring it to us. Il a pris. He took it. Il allait leur donner. And brought it to them. Je déclare que tu es libre. We declare you are free. Je déclare que tu es libre. I declare you are free. Même si c'est une chaussure. Even if it's a shoes. On a dit, said, va prendre, tu viens nous donner. Go and take his shoes and give it to us. Nous jugeons cet acte. We judge this action. Même si c'est l'argent qu'on a pris. Even if it is money they took. Même si c'est à travers le marabout qu'ils ont pris. Even if it is through a steel that they took it. Je déclare que tu es libre. I declare you are free. Jésus a payé le prix à la croix. Jesus has paid the price at the cross. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre. I declare you are free. Je déclare que tu es libre. I declare you are free.
si on a envoyé un enfant. They sent a child. On dit, va prendre sa serviette. And they said, go and take it. Tu viens avec. And you come with it. Nous cassons ce lien. We break those ties. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Nous déracinons. Approach. Nous déracinons. We uproot. Nous déracinons. We uproot. Nous déracinons. We uproot. Nous déracinons. Uproot. Nous déracinons. We 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 uproot. We uproot. Même si on a envoyé les souris prendre. Even if they sent mice. Si on a envoyé le serpent prendre. Even if they sent the snake. Le serpent ou la souris. Snake or mouse. Nous brisons ce lien. We break those ties. Reste concentré. Remain focused. Si tu as des vertiges, ne t'inquiète pas. Tu as dizzy. Si tu as la nausée, ne t'inquiète pas. Je vais nausée, fear not. Il y a des démons qui sortent sans bruit. There are demons who go out without noise. Il y a des démons avant de sortir, ils poussent un cri. There are demons. S'ils ne poussent pas le cri, ils ne partent pas. Before leaving you, they shout. Il y a des démons qui jettent les personnes par terre. There are demons who throw people down. Et ils sortent. And they goes out. They go out. Il y en a qui font, qui provoquent des douleurs. There are some who provoke pains. Pose les mains sur ta tête. Lay your hand on dis your Seigneur, head. Merci. Say, Lord, thank you. Dis, je reçois ta guérison. Say, I receive your healing. Exerce ta foi. Exercise your exerce faith. Ta foi. Exercise your faith. Et obtiens ta guérison. And get your healing. Exerce ta foi. Exercise your faith. Obtiens ta guérison. And get your healing. Dis, je proclame say, I proclaim que Jésus guérit de toute maladie. That Jesus healed from any dis, je proclame kind of say, que Jésus guérit de toute maladie. That Jesus heals for any Jésus kind guérit of de toute disease. Maladie. For any kind of disease. Quelle que soit la maladie. Whatever the disease. Si tu ne vois plus. If you can no more see. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Receive your healing in the name of Jesus. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Receive your healing in the name of Jesus. Que tout esprit de maladie s'en aille. May all spirit of disease disappear. Tu peux te tenir debout. You can stand up.
Parce que quand tu reçois la guérison, tu fais des choses que tu ne faisais pas. Because when you receive healing, you can do some movement you could not. Le ministère de guérison est automatique. Tu crois que Jésus t'a guéri. Tu touches la boule, ou si c'était la boule, le kyste, tu touches. Tu vois si c'est toujours là. You believe that Jesus has healed you, so you touch the place where you had the pain to see if you are healed. Je proclame que Jésus guérit. Say, I proclaim that Jesus healed. Je proclame que par ses maîtrises je suis guéri. I proclaim that through his wounds. Je proclame que par ses maîtrises je suis guéri. I proclaim that through his wounds. Dis, je proclame. Say, I proclaim que par ses maîtrises je suis guéri. I am healed. Dis, maladie, tu es vaincu. Enlève les mains de la tête, tu fais des gestes que tu ne faisais pas. Remove your hand from your head and you do actions you could not. Si le dos était bloqué. If your back was blocked. Si tu avais le palu, tu as disparu. If you had malaria, it had disappeared. Il y a de la guérison des maladies cachées. There is a healing from hidden diseases. Il y a des guérisons de maladies cachées. There are healing from hidden diseases. Tu ne peux pas savoir que c'est parti. You cannot know that it is gone. Il y a d'autres maladies. There are some diseases. Le palu, la fièvre, malaria, les maux de tête, fever, les maux de dents, headache, les maux de genoux, toothache, knee ache. Voilà, bakashara. Je proclame que par les maîtrises de Christ je suis guéri. Je proclame que par les maîtrises de Christ je suis guéri. Je suis guéri. Les maladies comme le sida, ça existe. Diseases like HIV exist. Mais il y a les démons qui simulent certaines maladies. But there are some demons which makes like you are sick. Tu as tous les symptômes du sida. You have all the symptoms of H. Si le démon là part maintenant. If a demon leave now. Ton corps reste calme. Your body remain calm. Il y a les vrais maux de tête. There are right headaches. Il y a les démons qui simulent les maux de tête. But there are demons who du nom de Jésus, nous chassons tout esprit qui simule les maladies. Nous chassons tout esprit qui simule les maladies. Nous chassons. Toutes les maladies imaginaires. Any imaginary diseases. Dis Jésus guérit. C'est Jesus heals. Dis nous proclamons. C'est un problème. Que Jésus guérit. That Jesus heals. Jésus guérit. Heals. Jésus guérit. Jesus heals. Il pardonne. He forgives. Jésus pardonne le péché. Jesus forgives. Et Jésus guérit les maladies. And Jesus heals. Il ne pardonne pas seulement. He is not il guérit aussi. Par ses maîtrises. Nous sommes guéris, nous sommes guéris, nous sommes guéris. Guéris des fibromes, fibromes. Fibrosis. Des fibromes, tu es vaincu. You have overcome. Fibromes, tu es vaincu. Fibrosis, you have overcome. Sors, va-t'en. Go out. Des fibromes, sors, va-t'en. Say, fibrosis, go out. Nous te déracinons. We have root you. Nous t'arrachons de l'utérus. Nous te jetons dans l'abîme. Disparaît. Et vous, les myomes. Disparaissez. Et toi, hémorroïde. Va-t'en. Go away. Hémorroïde. Va. Go. Va. Go. Va. Go. Disparaît. Rega pasar.
Dites-vous, tous les kiss, les kiss, partez. Nous vous arrachons comme les épines. Nous vous arrachons comme on arrache les épines. Et nous vous jetons dans les abîmes. Et toi-même, vrai sida. You say you true HIV. Nous te cassons. We break you. Nous t'extirpons de chaque corps. We remove you from each body. Nous purifions le sang de tous ceux qui sont malades. And we purify the blood of sida, va-t'en. Disparais. Disappear. Toi. You. Et tes symptômes. With your symptoms. Partez. Me. Toi. Luke. Et tes symptômes. And your symptoms. Partez. Go. Toi. Et tes symptômes. Partez. Go. Quelles que soient tes origines. Quelles que soient tes origines. Quelles que soient tes origines. Whatever your origins. Continue à prier. Keep on praying. Dis diabète. Jésus t'a vaincu. Jésus t'a vaincu. Va-t'en. Va-t'en. Libère le corps. Au nom de Jésus-Christ. Disparais. Toi et tes symptômes. Et même tes complications. Disparaissez. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. Keep on praying. Insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Va-t'en. Disparaît. Disparaît. Toi-même et tes symptômes. Toi-même et tes symptômes. Et tes complications. Partez. Continue à prier. Keep on praying. Otorobaka sakarabako sekebaka urabaka sekerebaka seke yerebaka sekerebaka seke urabaka sebaka seke urabaka sekebe urabaka sekere urabaka sekebe urabaka seke urabaka sekebaka urabaka sekebaka urabaka rabaka urabaka rabaka. Maladie du cœur. Disease of the heart. Nous vous chassons. We cast out. Nous libérons le cœur. We release the heart. Nous libérons les poumons. We release the lungs. Nous jugeons les maladies des poumons. Toute forme de pneumonie. Nous chassons. Et nous purifions les poumons. Nous guérissons le foie. Nous guérissons chaque foie. Nous enlevons le mal. Le mal du foie malade. Et nous déclarons la guérison. Nous déclarons la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cancer de la prostate. Nous te chassons. Va-t'en. Nous libérons tes victimes. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier en langue. Keep on praying in tongues. Prie en langue. Si la, toi qui as la colonne vertébrale tordue, qu'elle soit redressée. Qu'elle soit redressée. Au nom de Jésus-Christ. Atrose. Nous te jugeons. Arrête. Stop. Et va-t'en. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier, Keep on praying. Toi qui as mal à la gorge, tu es guéri au nom de Jésus. Que le mal disparaisse. Toi qui as mal à l'oreille droite, que le mal disparaisse. Le mal à l'oreille gauche, qu'il disparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Sinusite, nous te chassons. Au nom de Jésus-Christ. Prions en langue. Let us pray in tongues. Ora vaka sarva vaka sarva ora vaka sarva vaka sarva
Tu peux t'asseoir. You can sit down. Qui a un témoignage? Who has a testimony? Micro. Microphone. Gloire à Dieu. Start. Je suis la sœur Kouadiane, disciple du pasteur Meunier. Cette session a été très importante pour nous, de grandes bénédictions, parce que après les premiers témoignages, quand le pasteur a commencé à nous conduire dans la deuxième séquence de prière, j'ai reçu que je suis descendue pour exaucer tous vos cris ce soir. Alléluia. Et au fur et à mesure que le pasteur conduisait les différents sujets de prière, tout ce que j'ai reçu se concrétisait. Je donne quelques exemples. Quand il a demandé que nous enlevions tout obstacle sur nos chemins, c'était comme si c'était des barrières sur les chemins de tout le monde, de chacun de nous. Et toutes ces barrières étaient ôtées au fur et à mesure. Elles étaient ôtées. Quand il a demandé, priez que le Seigneur ait frais chemin devant nous. Devant plusieurs, il y avait c'était comme des immondices, ce n'est des barrières, des cordes qui, et c'était comme une machine qui rasait, qui enlevait et qui ôtait tous ces obstacles. Alléluia. Et il y en a beaucoup, hein, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Quand on a prié pour les esprits de mort et tout cela, toutes les résistances, quand le Seigneur nous a conduits, quand le pasteur nous a conduits à prier pour les résistances, au niveau des esprits de mort, j'ai vu des anges qui, il y avait de nombreuses, comment on les appelle, des cercueils. Les cercueils étaient cassés, brisés et jetés au feu. Mais les cercueils étaient nombreux pour dire que le Seigneur a détruit l'esprit de mort. Il a détruit complètement l'esprit de mort parce que tous ces cercueils qui étaient nombreux, ont été cassés et jetés vraiment dans le feu. Alléluia. Et le Seigneur a décidé vraiment de nous bénir. De nous bénir ce soir, il y a beaucoup d'autres choses. Et ce que je voulais dire au niveau de la richesse, quand on a prié que les déserts fleurissent, devant chacun de nous, tous les déserts étaient... C'était comme des fleurs, des jeunes pousses, c'est-à-dire une forêt luxuriante devant chacun de nous, avec beaucoup de fleurs. Et pour le matérialiser, tu voyais au niveau du ministère des gens qui étaient, ils étaient gras, gros, parce qu'ils étaient riches, ils avaient des clés, de grosses voitures, tu le voyais sur tous les hommes. On sentait la richesse. Le Seigneur a dit qu'il était descendu pour écouter nos cris, ce soir. Et il nous a exaucés. Dans chaque prière, au niveau de chaque prière que le Seigneur, que le pasteur a conduit, il y a une réponse positive. Que le nom du Seigneur soit béni. Et à la fin, j'ai entendu, aujourd'hui, c'est un véritable ratissage. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclamation à Jésus-Christ. Avec des cris de joie et des cris de victoire, Jésus de Nazareth. Merci. Thank you. Alléluia. Je me nomme épouse Komena Ne Oblé Béatrice. Je suis disciple de Yao Kofi Daniel.
Quand papa arrivera, il apparaît, il y a les bénédictions, on a besoin de coups de poing de Dieu, oh Dieu. Là qu'il était là, dans mon esprit, il a vu vision, c'est comme les caisses, gros caisses qu'on sait, il y a les trésors dedans. Le coup de poing, taper sa versait comme ça. Du coup, maintenant, je voyais une main, ça faisait comme ça, ça remuait les caisses là, ça ouvrait, ça versait. Donc, quand le moteur, il était comme ça dans la maison. Maintenant, le deuxième témoignage, là, c'était ma gorge depuis l'esprit de mort là. C'est quoi, il y a les écailles dans ma gorge. Je faisais seulement, quand il a dit, allez, niveau de gorge, ça quittait comme les écailles. Ça quittait comme les écailles de ma gorge. Et c'est fini. Actuellement, là, ça va. Maintenant, le troisième. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Troisième, c'est comme une vision. C'est comme les tombes là, ils étaient alliés comme ça. Et je voyais ça tomber, comme ça, ça tombait. C'est ce que le Seigneur a fait. Amen. Voilà Jésus. Et maintenant, bonsoir, qui dit ces signes. Quand Pasteur Méliès a dit, ça c'est le mauvais prix. Quand j'ai baissé ma tête, dans ma vision, il y a les anges qui habillaient tout noir, beaucoup nombreux, sortent dans la rue. Ils sortent dans les sous la base, ils sortent dans les sous les. Le groupe de délivrance, un coup, il y a aussi qui a nuit, il y a aussi qui a sous son bagage. Ils sont pour les nez, ils sont beaucoup, beaucoup, tout noir, ils sont pourris pour sortir. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Tryphène, il y a pour faiseur des disciples, Kwaku Deni. Je veux rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a délivré authentiquement d'une maladie de maux de cœur qui me tourmentait depuis des années. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce qu'il m'a fait pour moi. Je veux lui rendre toute la grâce pour qu'il m'a guéri authentiquement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sokoto Rosange Carole Nelly, disciple de la sœur Marie-Louise Yao. Amen. Tout à l'heure, dès que la prière a commencé, je me suis sentie essoufflée. Je n'arrivais plus à respirer. Et le Seigneur m'a rappelé un songe que j'avais eu quand j'étais dans le monde. Et dans ce songe-là, j'étais en train de combattre, j'étais en train de prier contre une déesse. Et puis elle se moquait de moi, elle disait que tu serais essoufflée, tu ne vas pas pouvoir tenir. Gloire à Dieu. Et j'ai couru rapidement aller à l'équipe de délivrance et ils ont prié. Pendant qu'ils étaient en train de prier, je commençais à respirer normalement. Mais en montant, venir m'asseoir chez les semeurs, j'ai senti que je commençais à avoir le tournis encore et je ne sentais plus mon bras. Et à peine installé, le pasteur Meunier dit, il faudrait qu'on incite sur l'esprit de mort. Et pendant que l'on priait, mon bras est devenu souple. J'ai commencé à prier et cette fraîcheur qui était dans mon corps a été chassée. Et j'ai senti une chaleur me saisir. Et je me sens bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu! Moi, c'est le frère Mobi Henri Joël et on faisait des disciples, le pasteur Jean-Claude Delogne. Il faut dire que le Seigneur m'a guéri authentiquement de la toux. Alléluia! Frère, depuis hier, la toux me fatiguait. Et tout à l'heure, quand papa priait, il a dit que toutes ces maladies du poumon soient guéries. Alléluia! Frère, j'ai reçu la guérison. Le Seigneur m'a guéri totalement de la toux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Franck Kwasi et vous faisiez disciple la sœur Estelle Fossou. Je vais dire merci au Seigneur Jésus qui m'a délivré d'un mal à la hanche. Gloire à Dieu. Depuis 2022. Mais aujourd'hui, pendant qu'on priait, ça me faisait mal fortement, j'étais assis, je ne pouvais plus tenir, mes pieds tremblaient. Et après, quand on a commencé à juger les douleurs des hanches, je me suis levé. Et quand on a fini de prier, j'ai commencé à faire le mouvement, la douleur a disparu. Gloire à Dieu! Amen. Et mon deuxième témoignage, j'avais un problème de cœur. Gloire à Dieu! L'année passée, et nous sommes venus à Abidjan pour faire la radio, faire la consultation, un écho de cœur. Et quand ça se fait, il s'est trouvé qu'il n'y avait rien. Mais à l'hôpital, on nous a dit que le cœur a grossi. Gloire à Dieu. Mais
pendant l'échographie, on dit qu'on ne voit rien. Et mon ventre diminuait et mon cœur, ma poitrine était gros. Mais quand on priait, on a commencé à prier. J'ai eu l'impression que j'ai commencé à respirer bien. Gloire à Dieu. Je vais dire merci au Seigneur pour cette délivrance. Que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Jason Sylvie et mon faiseur et disciple, c'est maman Colette Meunier. Je voulais dire merci au Seigneur qui m'a délivrée. Il faut dire que ça fait 2 ans que j'avais été opérée suite à l'accouchement. Et par moments, je sens les douleurs sur la trace. Et ce soir, pendant qu'on priait, j'ai senti encore la douleur et les picotements. Et après, j'ai senti comme si on attachait mon ventre. J'ai l'impression que la ceinture là, me serrait encore plus fort. Alléluia. Et juste après, j'ai senti ça se desserrer. Et puis les légers picotements sur ce côté. Et puis un instant après, tout est devenu normal. Vraiment, je voulais bénir le nom du Seigneur pour cette délivrance qu'il m'a accordée. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Jésus-Christ. Jesus Christ. Gloire à Dieu. Je suis le frère Zedaman Roumaric. Et pendant qu'on priait, quand papa a dit que non, que les déserts fleurissent, il y avait un champ de riz, un grand champ de riz, tu es mûr. Et je voyais la rosée, tu versais sur ce champ de riz-là. Et c'est ce que j'ai vu. Que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Bref, il faut dire que tout à l'heure, quand papa parlait des bénédictions, qu'on a prié pour nos bénédictions, frère. Et je priais comme ça, Seigneur, tu connais ma situation. Tu sais comment je vis avec ma famille. S'il te plaît, ce soir-là, j'ai besoin de ma bénédiction. Et j'attendais comme cela. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Je bénis ta famille et je te bénis avec un terrain. Frère, il faut dire que depuis lors, j'ai senti quelque chose en moi et j'ai vu que le Seigneur m'a authentiquement béni ce soir. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Amen. Et mon deuxième témoignage, il faut dire que le dimanche, quand je venais ici, j'ai appelé mon petit frère qui était à Jacquesville. Et je lui ai demandé à ce qu'il vienne avec moi, à ce qu'on arrive ici. Et il m'a dit non, qu'il ne se porte pas bien, qu'il ne pourrait pas arriver, mais de prier pour lui. Et je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et quand je suis arrivé là, tout à l'heure, quand papa a demandé de prier, de juger toutes les maladies au niveau du cœur et de tout ton corps. Et c'est ainsi que je me suis souvenu de mon petit frère qui m'a dit non, qu'il ne se porte pas bien. Et après ça, j'ai demandé au Seigneur de le guérir. Et quand j'ai prié comme ça, j'ai attendu que le Seigneur l'a authentiquement guéri, que je l'ai guéri, je l'ai guéri. Je lui dis merci à Dieu qui a fait toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwasia Yamaturin et pour faire des disciples, la sœur Nyamie Marie Daniel. Vraiment, le Seigneur m'a guéri. Faut dire que ça fait des années, mon pied droit là, ça me fait très mal. Souvent même, je fais des injections. Mais aujourd'hui, vous, on est en train de prier. J'ai entendu mon pied qui a fait plat comme si, quand bois sec là, quand ça se casse là, c'est comme cela que ça fait. Au nom de Jésus, j'ai dit merci à Dieu pour la guérison. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Seri Oumar, disciple du pasteur Chebi. Je traînais un mal au niveau de mon pouce et cela fait maintenant 10 jours. Après la prière pour la guérison, mon pouce est guéri. La douleur a disparu. Que Amen. L'honneur vienne à Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Lat Emeline. Mon frère de disciple est le pasteur Nguessan Mathieu. Il faut dire que toute l'année 2023, c'est-à-dire l'année passée, j'ai eu des problèmes de ventre. Et j'ai été faire des échographies. J'ai fait plus de 3 échos. Et à chaque écho, la médecine déclarait que j'avais des cas de fibrome et myome. Et tout à l'heure, lorsque le pasteur priait, quand nous écrasons les fibromes et les myomes, broyons, j'ai senti des picotements et des brûlures du côté de mon ventre, au niveau du côté droit. Et lorsqu'on insistait, j'ai senti comme il y avait une main qui tenait la boule et qui écrasait et la douleur était forte.
Je veux dire merci à Dieu de ce qui m'a délivré de ces fibromes, de ces myopes. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle Kofi Esther. Je suis maman. Je veux te dire, c'est maman Julien. Je veux dire merci à Dieu qui m'a guéri de mal au pied. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est la Saint-Guessant à Opoline. Je suis professeur de disciples, pasteur Nyan Désiré. Tout à l'heure, lorsque papa a dit, tous ceux qui ont les problèmes de cœur, qui prient sincèrement. Vraiment, j'ai commencé à crier à Dieu parce que, point rien, point oui, point non, je ressens un mal à l'intérieur dedans et ça me met mal à l'aise. Mais de suite là, quand j'ai commencé à prier, mon cœur a tiqué au-dedans de moi. Donc j'ai dit merci à Dieu parce qu'il m'a guéri de ce douleur. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle moi Madeleine. Mon frère Steve, c'est Pasteur Manzon Yao. Je voulais dire merci au Seigneur parce que quand le pasteur a dit de prier pour l'eau propre de sommage, j'ai vu, c'est comme une grande bâche qu'on attend à rouler, et puis s'enlever sur tout le monde. Je voulais dire merci pour là. Et deuxième, c'est quand il a dit, on a pris vos choses pour, des fois on a mis dans le tombe, ou bien au séjour des morts, qu'il a besoin d'un marteau pour casser. Et quand le marteau a j'ai entendu un bruit, bon, c'est comme un tombe qui a ouvert. Et je vois mon père, quand ma tante est décédée, il y a longtemps, ma maman a pris mon père pour aller l'enterrer. Et je vois sortir ce père. Je voulais dire merci au Seigneur de m'avoir délivré. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Taïe Grâce. Je professeur des disciples, la sœur Laure Mireille. Il faut dire, hier, lorsqu'on a fini de prier, je ne me sentais pas du tout bien. Donc, je me suis rendue chez les ministres des délivrances. Lorsque je suis arrivée là-bas, ils étaient en train de prier pour moi. C'est comme j'ai eu une vision dans laquelle je tenais un seau à la main. Je devais aller me doucher. Et puis, il y a une vieille qui sortait de nulle part, qui est venue mettre une éponge marron dans mon seau d'eau. Et puis, elle s'est mise à rigoler, se moquer de moi. Mais aujourd'hui, lorsque papa a prié pour les envoûtements, j'ai vu une main blanche qui retirait une éponge marron, la même éponge d'hier, dans ma tête, avec une feuille blanche froissée, et la jeter. J'aimerais rendre grâce au Seigneur qui m'a délivré de l'envoûtement. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est Kofi Akisilarissa. Quand tout à l'heure, papa a parlé à faire du désert, porter des fruits, j'ai vu des bois taillés, sous forme comme cercueil. Maintenant, il y a des vieillards qui sont alliés devant. Maintenant, celle qui est auprès de moi, c'est ma grand-mère. Au fur et à mesure qu'on prie, le bois taillé là pousse, il pousse. Et il pousse les vieilles là, tombées dans le trou. Dans le trou, l'eau qui est dedans, ça bouait, ça filait très fort. Et derrière ces bois taillés là, j'ai vu des gros fruits qui sont alliés jusqu'à là-bas. Donc vraiment, j'ai dit merci à Dieu car il m'a délivré de la pauvreté. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Jeannette et j'ai pour faire des disciples le pasteur Kwawe Emmanuel. J'aimerais dire infiniment merci au Seigneur. Quand papa a dit qu'on prie que le désert fleurisse et on a prié, il a demandé à ce qu'on s'asseye. Et quand je me suis assise, il dit parler à langue, parler à langue. Donc j'avais abaissé ma tête. Tout d'un coup, il y a un sommeil qui m'a pris. Et je vois comme des maisons en baraque qu'on avait construites. Et il y a des femmes, des hommes qui sont venus. Et ils quittent, ils sont en train de casser la maison. J'ai dit, mais c'est ma maison, ne cassez pas. Ils disent, non, cette maison, elle ne vous ressemble pas. Sortez, vous qui êtes dedans, sortez. Ils cassaient les maisons. Je veux dire infiniment merci au Seigneur qui nous délivre de la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Abola Maïmouna. Mon frère d'ici, c'est mon Kati Kaku. Je voulais dire merci à Dieu. Dieu m'a guéri du mal au ventre. Au nom de Jésus, amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Amangwa Ecclesia. J'ai été fait d'ici par le pasteur Lad Villasco. Il faut dire que ce matin, quand je priais,
quand je finis de prier, il y a une prophétie où le Seigneur a dit, je vous exauce, je vous exauce, je vous exauce. Je suis le Dieu qui exauce. J'exauce toutes vos prières. J'exauce toutes vos supplications. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle la sœur Marie-Esther. Moi, faisant de disciples, c'est la sœur Dominique. Je veux dire merci à Dieu qui m'a guéri de mal au rein. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Caïn Stéphane et j'ai pour faiseur de disciples le pasteur Dié Séraphin de Sassandra. Je voudrais rendre toute la gloire au Seigneur qui m'a délivré d'un mal qui me ronge depuis un certain moment. Tout à l'heure, quand papa a dit de prier pour les maladies du cœur, effectivement, c'est ça qui me gênait. Quand on a fini de prier, en tout cas, la douleur a disparu. J'ai commencé à me toucher. Ça a disparu. En tout cas, je veux dire infiniment merci au Seigneur. Acclamation à Jésus-Christ. Amen. Clap for Jesus Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Brigitte, mon frère d'ici, c'est maman Clémentine. Je veux dire merci à Dieu, lui qui m'a guéri de maux d'oreille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Ngetia Mireille. Il faut dire que c'est pendant la prière d'hier, quand le papa priait pour les esprits de mort, pour les chasser, pour qu'ils quittent tous ceux qu'ils fatiguent. Et pendant la prière, il ne s'est rien passé chez moi. Les autres tombaient, les autres criaient. Mais pendant que je suis rentrée me coucher, pendant la nuit, tard, j'ai fait un songe où j'ai vu tout le monde, beaucoup de monde, le coin était mélangé, tout le monde courait dans le même sens là-bas. Et puis quand ils ont couru, ils ont fini de courir, partir. Et puis il y a une dame qui était assise là seule sur une chaise. Et puis elle me dit, les esprits de mort qui te fatiguaient, qui te saisissaient, qui te troublaient, ils sont tous partis pour te laisser. Que tu es libre maintenant, ils ne vont plus te fatiguer. Vraiment, je voulais rendre gloire à Dieu de m'avoir libéré des esprits de mort au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle Ameuho Koku Monté et j'ai pour faiseur de disciples le pasteur Vincent Zaba. Tout à l'heure, lorsque nous sommes en train de prier et le pasteur a dit que les déserts fleurissent, en même temps, j'ouvre les yeux et je vois, il nous a tourné le dos en allant comme ça. Puis, son alliance brillait et je dis, Seigneur, c'est vrai, j'ai les problèmes. Mais je veux demander quelque chose pour ton serviteur qui nous bénit. La voix me dit, demande ce que tu veux pour lui. Et puis j'ai fermé les yeux et il revenait vers nous. Et il dit qu'il sorte le matin et qu'il revienne le soir, parlant du travail. Je dis, Seigneur, c'est un écrivain. En même temps, je vois... Et je vois un livre dans sa main. Et le Seigneur me dit, je lui donne la capacité de réécrire la Bible dans la version Boniface Meunier. J'étais très content. Le frère qui était assis à côté de moi, il me regarde. Vraiment, je prie que le Seigneur donne la capacité à son serviteur de réécrire la Bible dans la version pour que nous puissions vraiment la lire. Amen. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Jesus Christ. Next one. Gloire à Dieu. Moi, je suis la sœur Anne-Marie. Mon faiseur est d'ici, c'est maman Abokan Victorine. Je veux dire merci à Dieu ce soir, celui-même qui a libéré ma famille. Il faut dire que quand je venais ici, j'avais un fardeau pour dire qu'il n'a qu'à libérer ma famille. Tant qu'il n'a pas libéré ma famille, je ne peux pas quitter ici. Et le dimanche, lorsqu'on priait, c'est comme si je dormais. Et puis j'ai vu mon papa, ma tante, avec mon copain du péché. Mon papa était en
enchaîné. Ma tante était attachée. Mon compagnon du péché était dans bouteille. Et comme ça, j'ai fait la vision. Et je suis allée dire à mon frère d'ici, on a prié. Hier, on priait. Papa a dit, les anges descendent pour restaurer la vie. Et hier, j'ai vu, j'ai fait même vision encore. Et les chaînes étaient coupées si mon père et les choses étaient coupées si ma tante et la bouteille qui est mon compagnon du péché était dedans était cassée. Vraiment, je vais dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait. Merci celui-même qui m'a exaucé. Vraiment, que l'honneur, la gloire lui soit rendu au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis la sœur Céa. Mon faiseur, c'est pasteur Kwame Fabrice de Séguéla. Quand je venais ici, ceux qui m'ont remarqué, je suis venu avec une canne. Je marchais avec une canne. Parce que mes pieds me faisaient mal. Et c'est ce mal qui m'a enlevé à Séguéla pour m'envoyer. Tellement ça me faisait mal, j'ai dit, cette année, je m'en vais à Tiékoua. Si j'ai touché le sable de Tiékoua, que mes pieds ne sont pas guéris, je ne reviens pas à Séguéla. J'ai fait les radios, j'ai payé les médicaments, la douleur avance. Je dis, c'est que je vais voir à Tiékoua dans le spirituel. Quand je vais voir la veste de Boniface Meunier, je serai guéri. Et hier, après la prière, j'ai soulevé la canne, j'ai marché, malgré mon mal, je suis parti à la maison. Je n'ai pas marché avec la canne. J'ai dit, cette canne-là, je dois la laisser. Au nom de Jésus, je dois laisser cette canne. Aujourd'hui, je suis venu à la prière sans la canne. Jesus Christ. Acclamons Jésus très fort. Jesus Christ. Une offrande d'acclamation des filles de victoire. Alléluia. Je ne fais qu'aller à l'hôpital. Merci. Quand le pasteur Kwame Fabrice vient me rendre visite, je ne vais pas à l'église. Merci. Quand il vient me rendre visite, je suis toujours à l'hôpital. Je l'ai appelé et dit, papa, je m'en vais à Abidjan. Je vais aller à Tiékoua. Le sable à Tiékoua va me guérir avant que je ne revienne. Et je suis guéri au nom de Jésus. Acclamé. Merci Seigneur. Merci, merci. À demain. Merci, à demain.